C'est bon, t'es en direct. Ah, voilà en direct. Salut les amis. Alors, on va se faire une petite salade aujourd'hui. Salade fraîcheur. Donc, salade du pêcheur. Voilà, donc on va s'alléger le saumon ici. Voilà, c'est parti. On va se faire une bonne salade du pêcheur. Alors, pour ce faire, on va travailler des gambas, voilà, vous voyez, et des grosses crevettes. Alors, ce ne sont pas des scampis, ce sont des crevettes. Vous voyez la différence par rapport à celles qu'on a fait la dernière fois. Hein. Vous ne vous laissez pas arnaquer, ce sont des crevettes, ce ne sont pas des scampis. Ciao Goutard, voilà. Hello à tous. Salut, ciao, ciao à toi. Salut, Jo. Pour ce faire, on va commencer par monter une crème. Christopher Julien, bonsoir Massimo. Salut Christopher. Nicole Stano, bonjour à l'équipe. Salut à tout le monde, je pas, ça va. On va mettre un petit peu de sel pour monter sa crème. Voilà. Joe Rose, hello chef. Salut Joe, comment vas-tu? Elvis, salut tout le monde. Salut Elvis. Salut Elvis. Jean-Michel Giventi, salut à vous. Salut Jean-Michel. Salut Jean-Michel. Sabine Carrière, bonjour à vous deux. Bonjour Sabine. Chris Février, salut vous deux. Salut Chris. Je vais mettre un peu de poivre de cayenne. David Gonzalez, Gérard, bonne soirée Massimo, aussi le 81. Malthus, ciao Massimo. Rocky Charogne, salut à vous deux, bonne soirée, amitié. Salut Rocky. François Roux, salut à vous. Salut François. Sandy Vink, bonsoir à tout le monde. Arthur Figuero, salut à tous. Salut Arthur. Estelle Veila, hello, hello. Salut à tout le monde. Alors, on a mis du sel. On a mis un peu de poivre de cayenne. Elle commence à prendre légèrement. Voilà. Si vous avez un batteur électrique, faites comme un batteur électrique. Ok. Fab 13, bonsoir à vous deux. On va mettre un peu de sel. Ça, c'est la sauce qui va accompagner le saumon fumé. Guillaume Alemani, bonsoir à tous. Bonsoir Guillaume. Voilà, vous voyez qu'elle commence à prendre comme ça. Elle commence à être un peu plus épaisse. On va couper un citron en deux. Voilà. Pourrais-je avoir une serviette, petit padawan? Une serviette ou une fourchette? Une fourchette. Qui. Voilà. J'attends pas qu'elle soit montée pour mettre mon jus citron. Hein. Mordred d'Occitaner, il dit du rythme. Oui, t'inquiète. Fatima voilà. Darocha, salut Massimo, salut padawan. Je peux commencer, je peux continuer à la monter. Salut parce Fatima. Si je mets le citron pour aller monter, elle n'est pas risquée de tomber. Regardez, là, elle est bien prise. Et c'est parti. Allez. Pascal Didier, coucou. Coucou Pascal. Mordred Occitaner, bonsoir à vous. Salut Mordred. Ayo DCY, bonsoir à vous tous. Bonsoir Ayo. Thank you.
ça va être bien. Voilà. Tom Tom Apache, je dis bonsoir Massimo et Padawan. Salut, je dis bonjour. Je dis bonsoir Tom Tom. Bernard Charogne, bonsoir à vous. Bonsoir Bernard. Aïe DCY, elle demande, tu fais quoi de bon ce soir? Alors, on va faire une salade fraîcheur, une salade du pêcheur, avec des gambas, des grosses crevettes et du saumon fumé. On va tous travailler différemment. Dany de Montréal, salut les boys et bon après-midi à vous deux. Salut mon cam! T'as Bernard de Clavis de Chris, comment ça va Montréal? Voilà, elle commence à être bien prise là. Le poivre. Encore un peu. Ça vous a. Vous faites à votre goût, hein. Vous savez, hein. Et voilà, allez, dernier tour, et ça va être bon. Hop, oh, un petit peu d'échalote dedans. Hop, un peu de persil. Allez. Après, les ciseaux qui étaient ici, soit, on va aller. Dany de Montréal, il dit, ça va enfermer cause coronavirus. Tu m'étonnes. Encore en confinement, bah ouais. De la nette. Arlette Adam, bonjour vous deux. Voilà. J'ai encore raté le début. Je prends mon Annette. Salut, et je vais arrête. Couper mon annette tout petit doucement comme ceci. 100 grammes Merzoug, salut à vous, salut Sandra. Bon, Sandra. Je goûte et demande si c'est presque comme un fromage blanc. Bah non, c'est la crème fraîche. Et voilà. Vous voyez maintenant, elle est bien prise. Dernier tour de turbo et c'est fini. Et on réserve au frigo. Faut pas qu'elle retombe. Hop. Ensuite, on allume le feu. Allumez le feu. Voilà, si, si. Voilà. On y va. De l'huile d'olive. Voilà. Nina West, coucou à vous de Annecy, Haute-Savoie. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Coucou Nina. Voilà. Alors, en attendant que ça chauffe bien, on va travailler notre assiette. Fred, salut à vous deux. Salut, salut Fred. Salut Dub, j'ai loupé le début, c'est quoi comme salade? Salade du pêcheur. Nina West dit « Salut, je suis la sœur de Tony Hank de Saint-Domingue. » Bonjour à toi. Mmh.
américain ? Non. Un droit d'auteur. J'ai pas pensé d'en mettre. Allez, on y va. Bien chaud. Alors. Mick Cubex, bonjour à vous. Salut Mick. Salut Mick. Ah bah oui, je cherchais des vins blancs, dis donc. Voilà. Ah non, il est vide, c'est moi. Oh, voilà, hop. Allez. Ça va tout le monde, je vous ai pas trop manqué. Voilà, on va laisser revenir un petit peu. Du sel. Tout simplement, un peu d'échalote, un peu de sel, un peu de poivre. Et surtout pas d'ail. Alors, on va attaquer les glaces. On a gardé les têtes pour que ce soit joli. Christopher Van Giel. Hello, que fais-tu de bon, hein? Salle du pêcheur. Salle du pêcheur, sa mère. Voilà, une salade du pêcheur. Les crevettes sont bien, plus doux, on laisse réduire. On va créer des gambas. On retourne les gambas. Hop. Hop. Alors, échalote. Voilà, persil, comme de l'autre côté. Et c'est là que la magie va opérer. Attention les dames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Mais qu'est-ce qu'il fait Massimo? Il met du miel avec les fruits de mer. Mais il est fou, il est fou, il est fou. Il met du miel avec les fruits de mer. Hein? Il est bon ce miel. Mais il est fou, il est complètement fou. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais du Ricard. Elle fait une flambée au Ricard avec du miel. Mais il est fou, mais il est fou. Et je m'en fous, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de limite dans la cuisine. La musique qu'on, la cuisine qu'on aime. Allez, on va remuer tout ça. Le miel avec le Ricard. On fait flamber avec du miel et du Ricard. Voilà, allez, c'est parti. Une lichette de vin blanc pour ici, pour la sauce. Voilà, on est bien. Un petit cron. Voilà. Il est parti, il est parti, il est parti. On l'a perdu, on l'a perdu, on l'a perdu, Massimo. Voilà. Mike Dizzy, bonsoir et bon app. Et voilà, ici c'est fini. Voilà, on a une réduction. Là, terminé. Fabrice Munier, bonsoir à vous, superbe assiette, à bientôt.
dressage. Le dressage. On a déjà dressé le saumon. Hop, hop. Allez, les assiettes, s'il vous plaît. Voilà, un peu de l'huile d'olive pour terminer. Alors on va, ici fini aussi, on graisse. Il y a Gilles Weber, il dit Ricard plus gambas égale apéro et repas tout en un. Bon appétit à tous. Allez, viens ici, toi. Petite assiette. Et j'ai oublié de mettre du citron. La, il m'en reste encore un petit peu. Effectivement, au restaurant, on a cette mise en place qui est faite. On n'a pas ces problèmes. Tululu. Oh non, c'est ici. Sur les citrons. Allez, les amis. Hop. Et la cuisine, c'est l'amour. C'est la vie. C'est l'amour et la vie. Faites la cuisine à tous vos amis. Aux gens comme si vous faisiez la cuisine pour votre femme, pour votre maman. Avec amour. On traite avec amour, voilà. Il y a une chanson, c'est Wapé, je ne sais pas si vous connaissez encore. On met ici au milieu, voilà, hop. Pizzaiolo et mozzarella. Qui se rappelle de ce film avec Aldo Maccioni? Vous connaissez la chanson? Pizzaiolo, pizzaiolo, bella, 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 bella pizza. Tida, attends, je vais mettre tout seul. L'amour, c'est comme une pizza. Si tu ne penses qu'à faire ça, t'as dans la tête une pizza. Pizzaiolo. Pizzaiolo, bella, 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 bella pizza. Si tu sais faire l'amour, tu sais bien faire la pizza. Si tu sais faire la pizza, tu sais bien faire l'amour. Nanana, et la cuisine, c'est la même chose. Alors ici, vous voyez, comme on en a deux comme ça, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va travailler d'une autre façon. Comme ceci, on fait des petits cœurs. Voilà. Hop. Voilà, ici on en a trois. Ici on en a deux. On en a une de trop, hein. Voilà, hop, on récupère le jus ici, que là on va bien mettre que sur les gambas, hop, voilà, voilà, et voici. C'est pas fini, il nous reste notre saumon. Allez, maintenant elle est bien, voyez. Impeccable. Il y a Joe Rose, il dit « That looks so good, I want some of that ». Hop là. Hop, ici. Et voilà! Hop là, on va passer là. L'assiette du pêcheur selon Massimo. On a trois ingrédients avec trois goûts totalement différents. Une petite sautée de grosses crevettes au vin blanc. Des gambas sautées au pastis. J'ai mis du miel. Si j'avais du sirop d'orge, j'aurais mis du sirop d'orge, mais je n'en avais pas. Et une petite crème montée avec du saumon. Bon appétit, on se retrouve demain pour une nouvelle recette. Ciao!